lu la Bible, jour après jour, mais rien. Le Seigneur ne vous inspire pas? Pourtant, le Seigneur, créateur de toutes choses sur cette terre, créateur de vous aussi. Pourquoi moi? Le Seigneur, créateur du ciel, de la terre, des animaux, des fleurs, des plantes, il vous a aussi créé, ma fille. Vous êtes une créature du Seigneur. Désolation, conspiration. J'ai attendu longtemps. Votre voix change, ma fille. Et là, on parle de Dieu. Repentez-vous, ma fille, vous êtes au bord du blasphème. Et la colère en moi. Vous aider à extirper cette colère, ma fille. Inclinez-vous devant la croix du Seigneur. Inclinez-vous et priez. Je vais prier avec vous. Seigneur, créateur du ciel et de la terre, extirpez le mal, extirpez ce mal qui envahit cet être. Cet être, cette créature, est un de vos enfants. Elle fait partie de votre troupeau. Seigneur, votre berger. Je suis un mouton égaré. Je suis perdu. Je vais vous guider, tel le pasteur guidant son troupeau. Je vais vous guider vers la foi. Je vais vous extirper ce mal qui dort en vous. Frère Pierre, qui es-tu pour ainsi juger ce qui relève du bien ou ce qui relève du mal? Elle est comme elle est. Laisse-la libre. Mais le mal l'envahit. Mais le mal... Le malin est en elle. C'est ta définition. Qui décide qui est mal? Vous sentez-vous mal? Je me sens femelle. Elle est libre. Libre de penser, libre de choix. Ce n'est pas nous, humains, laïcs ou croyants, de décider à leur place. Mais le Seigneur nous enseigne à sauver ces créatures. C'est un devoir que nous devons envers cet être qui est en train de partir. Je t'aime. C'est ça.